Добро пожаловать в мой канал. AFP le 04-01-20-18-08-32, mis à jour le 05-01-20-18-2349, une berge endommagée par le passage de la tempête Eleanor à Moretel-Mai, dans l'Isère, le 4 janvier 2018. AFP Philippe Desmas, une berge endommagée par le passage de la tempête Eleanor à Moretel-Mai, dans l'Isère, le 4 janvier 2018. AFP Philippe Desmas, dans les gorges du Bréda, entre Isère et Savoie, après 24 heures de recherche, le corps d'un pompier volontaire de 64 ans, tombé jeudi dans ce torrent déchaîné lors d'une opération de secours, a été retrouvé. Un autre décès est venu alourdir le bilan vendredi. Un ouvrier a été tué et un autre gravement blessé à Choisy-Haute-Savoie sur le chantier de rénovation d'une ferme fragilisée par la tempête, selon le parquet d'Annecy qui a ouvert une enquête. Deux autres personnes sont toujours portées disparues dans des départements où la tempête a sévi, un octogénaire dans le village de Lucenay-le-Vex, Saône-et-Loire, et un Allemand de 70 ans qui a pu être emporté en Haute-Marne par l'Aube, dont les eaux ont soudainement monté après d'intenses précipitations. Par ailleurs, à Paris, une policière de la brigade fluviale a disparu dans la Seine lors d'un exercice vendredi. Les recherches qui ont mobilisé la brigade fluviale, pompiers, deux hélicoptères, quatre équipes cynophiles et un drone ont été suspendues en fin d'après-midi et reprendront samedi. Le préfet de police Michel Delpuech et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se sont rendus à la brigade fluviale. Sur une berge de la Brida, une équipe de secours est à la recherche du pompier disparu à Détrier en Savoie, le 4 janvier 2018. AFP Philippe Desmas. Depuis mardi soir, une grande partie du pays avait été placée en alerte par Météo France. Aux vents violents ont succédé des pluies intenses, puis un redout qui a fait fondre la neige et gonfler les cours d'eau. L'alerte orange a été levée dans les quatre derniers départements: Jura, Doubs, Haute-Saône et territoire de Belfort. Montée des eaux mais des cours d'eau dans 14 départements restent en vigilance orange crue, comme la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le sud-ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté. À Lyon, le Rhône et la Saône sont sortis de leur lit. Fleuve français en crue. AFP Laurence SAUBADU. À Paris, le niveau de la Seine atteignait vendredi 3,26 mètres au pont d'Austerlitz, vigilance jaune. La tendance est à la hausse pour les prochaines 72 heures, avec une stabilisation attendue en début de semaine. Les cumuls de pluie ont été impressionnants par endroits. Météo France a enregistré 50 à 70 litres par mètre carré sur le relief du Jura et des Hautes-Vosges, plus ponctuellement 70 à 100 litres par mètre carré près des sommets du Haut-Jura et 130 à 160 litres par mètre carré dans le secteur du Ballon d'Alsace. Risque d'avalanche. AFP Vincent LEFAI. Cette quatrième tempête de l'hiver avait précédemment coûté la vie à trois personnes dans les Alpins, skieurs de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, une nonagénaire morte jeudi dans sa maison inondée en Isère et un agriculteur retrouvé jeudi sous une coulée de neige en Savoie. Vendredi, le risque d'avalanche, maximal jeudi, restait marqué à fort, soit de 3 ou 4 sur une échelle de 5. On appelle à la vigilance extrême. La neige est instable après des pluies en altitude. Le ski hors piste est très fortement déconseillé, soulignait une porte-parole de Val Thorens, plus haute station d'Europe, à 2300 mètres d'altitude. Tempête et inondations meurtrières. AFP Sabrina Blanchard. Les domaines ont rouvert progressivement après d'intenses efforts de sécurisation, comme à Tignes-Val d'Isère. Les mises en garde concernent désormais les routes, où des dizaines de milliers de vacanciers sont attendus samedi avec la fin des congés scolaires. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sport d'hiver avant 9h ou après 16h. Sans course la pichac pécam. Copyright 2017 AFP. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique, dépêches, photos, logos sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenu pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
sauvegarder l'article envoyé à un ami, imprimer l'article.